Les trois films à voir au ciné cette semaine. Indiana Jones et le cadran de la destinée. C'est le film d'action à aller voir entre potes. Il a été projeté au Festival de Cannes en mai dernier. Et oui, c'est l'acteur Harrison Ford, à 80 ans, qui revient une cinquième et dernière fois dans le rôle du professeur Jones. Alors qu'Indy s'apprêtait à partir à la retraite, il se fait embrigader par sa filleule et part à la recherche du cadran de la destinée. Ensuite, il y a Passage, à aller voir si tu aimes les histoires de triangles amoureux. On retrouve ici notre reine Adèle Exarchopoulos, qui dans le film vient troubler la relation d'un couple. Un des deux amants se retrouve à avoir une liaison avec cette femme. Le réalisateur filme l'amour et parle de désir, le désir qui guide les actions, parfois, même si elle dérange les convictions. Ruby, l'ado Kraken, si t'as aimé Shrek, ce film est fait pour toi car ça a été fait par les mêmes créateurs. Ça se passe entre le monde terrestre et le monde de l'océan. En gros, Ruby, lycéenne, pas très bien dans sa peau, fait un truc interdit par sa mère, elle plonge dans l'eau. Elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs et part à la recherche de ses origines. Alors tu vas aller voir lequel ?